Benjamin est probablement l'auteur, enfin l'un des auteurs les mieux édités du XXe siècle. Il existe seulement en français au moins trois biographies. J'ai compté tous les livres entre leurs éditions, etc. Je les ai à peu près tous achetés. Il en existe 49. Il y a deux éditions intégrales concurrentes, une chez Klingsic, une chez Fayard. Plus celle chez Folio, plus plein de choses chez Champflammarion, plus plein de rééditions actuellement chez Payot. Il existe deux éditions intégrales en allemand, une en poche, une plus scientifique. Donc, il y a une fétichisation, on va dire, littéraire en forme d'objet de Benjamin, et qui est spécialement intéressante parce que tout tourne autour de... Vu que Benjamin s'exile à Paris en 1933, que sa bibliothèque disparaît, est probablement confisquée par la Gestapo, envoyée à Moscou, peut-être rapatriée en France, il y a toute une histoire de manuscrits disparus. Quand il disparaît à Portbou, il perd une mystérieuse mallette, etc. Donc il y a une veine profondément littéraire dans tout ça. Moi, ma conviction, c'est que je pense que quasiment rien n'a été perdu parce que Benjamin était d'une extrême prudence éditoriale. Il confiait des doubles à ses amis. Son dernier manuscrit, les notes sur l'histoire, il les a confiés à trois personnes différentes, à Rent, à Dorno et encore une troisième personne. Donc il se couvrait bien. Effectivement, donc il y a encore des découvertes comme celle qui a été faite dans les archives Bataille en 80 par Agamben. Alors mon hypothèse, j'ai pas confronté texte à texte pour vérifier, mais en fait il y a eu une première édition, si on reste sur les éditions françaises, il y a eu une première édition au CERF d'un très gros livre qui s'appelle Le Livre des Passages, qui était les notes du grand livre, parce que Benjamin, à partir de la fin des années 20, peut-être commencer par là, notamment à travers sa découverte d'un côté du marxisme, de l'autre côté sa découverte du paysan de Paris, d'Aragon, et de ce que Aragon fait subir littérairement au passage de l'opéra, qui va être d'ailleurs détruit au moment même où Benjamin commence à se pencher sur cette question, commence à concevoir un grand livre sur le 19e siècle, un grand livre sur la marchandise, un grand livre sur la valeur fétiche de la marchandise, un grand livre qui serait à la fois, on ne sait pas trop quoi, en fait, une sorte de ready-made, une sorte d'énorme et de colossale collection de fragments. On le voit travailler, Benjamin, parce qu'on sait qu'à partir de 1933, en plus, donc à partir de 1933, l'arrivée des nazis au pouvoir le contraint de s'exiler à Paris, il se trouve assez prolétarisé, il a très rapidement peu de sources de revenus. On sait qu'il passe l'essentiel de ses journées à la BNF, il communique, tout ça est bien documenté, il y a même des photos de Gisèle Freud qu'il montre travaillant à la BNF, et on sait qu'il amasse des documents pour un livre qui s'appellera « Le livre des passages », qu'il l'interrompra, l'exil et sa mort en 1940 fera qu'il ça sera interrompu. Ça a été édité, alors je sais plus exactement quand, dans les années 70, c'était début 80, sous la forme de Livre des Passages. Et Benjamin était en relation avec, à l'époque, avec Bataille, qui était conservateur à la Bibliothèque Nationale, et il lui a confié ce qui deviendra plus tard le manuscrit du Baudelaire, qui sera édité à la Fabrique, etc. A priori, c'est plutôt qu'un inédit total, c'est plutôt l'apparition d'un chapitre, le chapitre sur Baudelaire. Donc il y a plein de chapitres dans le Livre des Passages sur la mode, sur la Révolution, sur plein de sujets. Et le chapitre sur Baudelaire existe déjà, et le chapitre sur Baudelaire, en fait, se met à phagocyter le projet, et c'est comme si, de l'intérieur, un livre qui n'était pas un livre de fiction se retourne, et la figure de Baudelaire devient quelque chose de gigantesque. Et on ne sait pas, en fait... On ne sait pas. Alors, Benjamin a écrit sur Baudelaire, écrit des essais sur Baudelaire, mais on ne sait pas s'il n'y aurait pas eu à un moment le projet d'une réorganisation totale du livre passage autour de la figure de Baudelaire. Et ce qui m'a spécialement intéressé dans cette affaire, c'est que donc le livre des passages s'appelle aussi, on peut l'appeler Paris, capitale du 19e siècle. Et ce livre, une sorte de roman total, mais roman sans intrigue et roman sans personnage, à partir de l'apparition de Baudelaire, qui serait le grand personnage, pourrait accéder de l'essai à la catégorie supérieure, en termes d'intégration bien sûr, du roman. Et donc Baudelaire serait une sorte d'allégorie du 19e siècle. L'hypothèse que j'ai voulu faire, et tout le jeu de mon livre est l'une des hypothèses de départ qu'a présidé à son écriture, c'est d'imaginer quelqu'un pourrait écrire un livre sur le XXe siècle, donc mon livre s'appelle Le XXe siècle, quelqu'un pourrait écrire un livre sur le XXe siècle en utilisant Benjamin, comme Benjamin avait le projet, peut-être, d'utiliser Baudelaire, en disant que cette figure peut concentrer la totalité, de façon allégorique, peut concentrer la totalité du XXe siècle.
Le livre donc s'appelle Le XXe siècle, premièrement parce que je crois que c'était un bon titre. Le choix fut vraiment esthétique. Quel bon titre, Le XXe siècle. En plus, ça m'intéresse que moi, je suis né en 1980, j'ai connu le XXe siècle, j'ai connu le XXIe siècle, fatalement. Je suis à peu près moitié-moitié, quoi, 20 ans, 20 ans, quand j'ai commencé l'écriture du livre, en tout cas. Et on commence à entrer vis-à-vis du XXe siècle. J'enlève absolument l'aspect follement criminel de siècle. Juste sur le plan esthétique, on commence à entrer dans une période classique de détestation du XXe siècle. On déteste, on s'est mis à détester les avant-gardes, on s'est mis à détester l'art moderne, on s'est mis à trouver que les romans du XXe siècle, ça tenait pas debout. Voilà, il y a toujours ce sentiment, le siècle d'avant, on le rejette. Donc, c'est quand même, à tous les niveaux, le XXe siècle est intéressant. Et avec cette vision, peut-être que le XXe siècle, au-delà du siècle, serait une sorte d'idée, ça a été la modernité. Ça a été le siècle où l'idée de modernité a été atteinte. Et je me suis dit que c'était peut-être aussi important que l'Antiquité. On ne sait pas trop ce que c'est que l'Antiquité, mais l'idée d'Antiquité, c'est quelque chose qui a survécu 2000 ans à l'Antiquité elle-même. C'est cette espèce de réservoir de ruines vers lequel, pendant des siècles, on est retourné s'alimenter, on est retourné exhumer des objets. Une sorte de... et je me suis dit, le XXe siècle pourrait être ça, pourrait être une sorte de réservoir. Avoir. Ça, c'était pour la grande idée. L'autre idée, c'est pour la position tactique absolument passionnante de Benjamin. Benjamin, en fait, très jeune, décide de devenir soit le meilleur critique d'Allemagne. Petite parenthèse, c'est intéressant parce que la figure du critique littéraire au XXe siècle, on le voit avec Benjamin, on le verra plus tard avec Barthes, la figure de critique littéraire tend à devenir presque plus importante que les écrivains. Et surtout, c'est pour ça que je parle de Barthes. Barthes ou Benjamin deviennent des critiques au sens large. C'est-à-dire ils sont critiques de tout. Ils sont critiques des arts, ils sont critiques de la littérature, ils sont critiques de la politique. Voilà. La position critique devient une grande position. La revue que Benjamin avait projeté de publier avec Brecht s'appelait Crise... Je ne saurais pas le faire correctement en allemand. Crise et critique, en fait. Donc voilà, il y a cette idée. Ensuite, Benjamin veut détruire Heidegger. Il l'écrit dans une lettre jeune à Georg Scholem, son grand ami de jeunesse. Donc Heidegger, qui est reçu tardivement comme le grand philosophe du XXe siècle. Mon hypothèse, et je pense qu'elle est plutôt avérée, c'est que finalement, c'est Benjamin qui a réussi ce coup. Et donc Benjamin, en fait, voilà, incarne dans la première moitié du XXe siècle l'intellectuel allemand dans toute sa splendeur. Donc on est quand même sur une époque où... l'Allemagne, on va dire le champ germanique en général, produit énormément de grands penseurs, on va dire de Max Weber à Adorno, quoi. Donc voilà, il appartient à ce mouvement. Il est en communication directe avec quasiment tout le monde. En fait, au minimum, il rencontre les gens. Au minimum, il rencontre Hofmannsthal et Franz Rosenzweig. Au maximum, il devient ami avec eux, comme avec Brecht, avec Adorno. Donc il est profondément dans ce premier XXe siècle. Il en est l'une des premières victimes, parce que ne pouvant fuir la France, ne pouvant entrer en Espagne, il se suicide en 1940 suite à l'invasion de la France par Hitler. Donc il est l'un des premiers intellectuels contraints au suicide par le nazisme en 1940. Et ensuite, ce qui est encore plus intéressant, c'est que le second XXe siècle, quelque part, il le prophétise. Donc évidemment, il ne connaîtra pas, mais ça passera par l'école de Francfort qui s'en occupera, mais l'école de Francfort, via Adorno, découle très largement des intuitions de Benjamin, les industries culturelles, la massification de la culture, l'apparition d'une culture de masse, les grandes crises de la démocratie, tout ça. En fait, toute la saveur, enfin, tout ce qui se passe, tous les grands mouvements intellectuels du second XXe siècle, très largement, s'enracinent dans son œuvre. Et jusqu'à cette chose peut-être la plus contemporaine, le concept de studies, que ce soit les gender, les culturales, les post-colonial studies, très largement, c'est l'hypothèse que je fais et qui ne me semble pas trop tirée par les cheveux, on peut le faire remonter à l'œuvre de Benjamin. Donc en fait, Benjamin couvre la première moitié de son siècle en tant que témoin majeur et acteur, et couvre la seconde moitié de son siècle un petit peu comme un fantôme qui est encore là et qui nous fournit et qui a largement fourni des objets d'analyse de ce qui se passait. Le dernier texte de Benjamin est vraiment sur la crise du progrès et qu'est-ce qui peut rester de l'idée de la gauche au sens très général quand l'idée de progrès est défaite. Et donc, en fait,
il est encore notre contemporain à ce niveau-là. Bah, Benjamin, pendant longtemps, c'était quelqu'un que je ne comprenais pas. J'avais lu les classiques, les petits classiques, l'œuvre d'art à l'époque de la reproductibilité technique, le petit extrait qui s'appelait Paris, capitale du 20e siècle, du 19e siècle, en mode 60-70 pages. Je savais que c'était important, mais je ne comprenais pas. Parce qu'en fait, et j'ai mis longtemps à comprendre que c'était normal de ne pas comprendre, parce que Benjamin n'est pas un philosophe systématique. Benjamin a ce charme absolu que j'ai découvert très très tardivement, que c'est un philosophe qui est génial à lire. C'est passionnant à lire. C'est un philosophe, moi je venais à l'époque, j'ai fait de la philosophie analytique, j'avais un peu rejeté toute cette ambiance un petit peu, on va dire... post-marxiste, post-hegelienne de la philosophie allemande, etc., pour des choses très techniques avec de la logique. Et ce que j'ai découvert avec beaucoup de plaisir chez Benjamin, c'est que Benjamin n'argumente pas. Souvent, la philosophie, c'est des longs arguments pénibles. Il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas d'argumentation chez Benjamin. Une sorte de ton très péremptoire. Les choses sont telles qu'elles sont. Et il y a un niveau d'intuition. On peut retrouver ça chez Wittgenstein, si on veut. C'est d'un coup, là, il trouve la bonne formulation. Mais c'est en même temps très engagé dans des problématiques concrètes. Il parle de jouets, il parle d'architecture. Il parle en permanence de choses qui ne sont pas spontanément philosophiques. Donc, je l'ai découvert très tardivement. Et ça a été un éblouissement, en fait. Et de cet éblouissement, j'ai fait un roman parce que je ne savais pas quoi en faire. En fait, pendant 2 ans de ma vie, je n'ai fait que lire du Benjamin, que m'intéresser à Benjamin. Et il fallait bien que je fasse quelque chose de ça. Et en général, quand j'ai une obsession très forte, je finis par en faire un roman. Pas pour m'en débarrasser, mais pour lui trouver une forme. Et j'ai découvert spécialement Benjamin. Il y a un côté... Alors, ça a été beaucoup mis en scène, beaucoup mis en avant par beaucoup d'exégètes, parce qu'il se suicide, parce qu'il rate sa carrière universitaire. Il y a un côté raté. Hannah Arendt a parlé du petit bossu malchanceux de la légende qu'incarnait Benjamin, qui était par ailleurs son cousin par alliance. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est malchanceux, parce qu'en fait, à la fin, c'est réussi. Son œuvre est complète et son œuvre est extrêmement lue et extrêmement influente aujourd'hui. Mais effectivement, il rate beaucoup de choses. Et l'exemple le plus beau et je trouve le plus intéressant de ratage, c'est que il n'écrit pas de roman, en fait. On ne sait pas trop, il ne se prononce pas trop sur le roman. En fait, il décide plutôt d'écrire le roman, d'écrire quasiment la critique de son propre roman, en fait. Comme s'il écrivait le roman de l'extérieur, comme s'il écrivait l'image que j'utilise dans le bouquin, c'est celle de la tour de Babel par Bruegel. C'est qu'en fait, elle a l'air déjà finie, mais il y a encore des échafaudages. Mais peut-être que c'est ça, sa forme définitive. Et il fait cet acte de bravoure et de mélancolie absolue. Il traduit deux ou trois tomes avec un ami à lui de La recherche du temps perdu, ce qui est quand même et il le fait pas tardivement, il le fait Proust vient de mourir, il le fait au milieu des années 20, donc 2-3 ans après la mort de Proust, il s'en parle. Donc déjà il y a un discernement, c'est quand même pas rien de se dire qu'il a compris que Proust c'était vraiment important et il l'a compris presque aussitôt. Mais quelqu'un qui a des aspirations romanesques se lancer dans la traduction de Proust, il y a un côté c'est un peu fou, parce que Proust quand même écrasant. Mais et c'est là où le génie de Benjamin, le génie d'un écrivain mineur qui réussit à devenir majeur, c'est que parallèlement, il écrit, et le texte est magnifique, parce qu'en fait, il l'écrit au moment où il comprend qu'il ne pourra plus jamais retourner en Allemagne, que son camp a perdu. Et il écrit ses souvenirs d'enfance, enfance berlinoise autour de 1900, qui est un texte qui ressemble à La recherche du temps perdu, dont on aurait enlevé toutes les scories et qui serait que les plus beaux passages. Et c'est un texte absolument sublime. Donc en fait, il arrive néanmoins à faire donc ce livre et un autre livre qui s'appelle Sens unique, qui est l'un des plus grands, livres surréalistes. Donc il arrive quand même à glisser, moi je suis rentré plutôt par là, dans cette œuvre très foisonnante, très, très compliquée, il y a des fragments littéraires de toute beauté. Benjamin était quelqu'un que je connaissais, qui était présent dans ma bibliothèque. J'avais lu quelques livres de lui, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique notamment. Et c'était... Je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas Benjamin parce que je voyais pas quelle était sa pensée. Si on m'avait demandé quelle était la pensée de Benjamin, j'aurais pas pu le dire. J'avais pas compris qu'en fait, l'un de ses génies, c'est de ne pas être un philosophe systématique. Et donc, très tardivement, j'ai lu une biographie de lui en vacances où j'avais rien d'autre sous la main. Et puis, j'ai vu des extraits de son œuvre, que j'ai lu comme un catalogue de citations. Et je suis tombé amoureux de son œuvre, en fait, parce que j'ai trouvé plein de choses merveilleuses et très très belles. Et je me suis mis à devenir un lecteur de Benjamin, et de façon totalement gratuite. C'est-à-dire, je n'avais rien à en faire, j'avais même pas le projet d'écrire sur cette œuvre. Je trouvais qu'il y avait rien de plus intéressant à lire que de lire l'œuvre de Walter Benjamin. Donc j'ai acheté tous les livres, j'ai lu tous les livres, et puis au bout d'un moment, quand on a fabriqué une sorte de mélasse intellectuelle comme ça, on essaie d'en sortir, et écrire un roman est l'une des façons dignes d'en sortir. Le XXe siècle, c'est un roman
très largement benjaminien, c'est un roman sur Walter Benjamin. Je me voyais pas écrire un biopic, raconter frontalement la vie de Benjamin, donc j'ai inventé un dispositif avec des benjaminiens, comme il y en a aujourd'hui, donc des universitaires, des critiques, des chercheurs, des militants politiques qui enquêtent sur Benjamin, qui sont lecteurs de Benjamin et pour lesquels la lecture de Benjamin est intellectuellement un moteur très puissant. Et j'ai imaginé des benjaminiens qui enquêtent sur un quatrième benjaminien, un livre disparu, quelqu'un qui aurait écrit justement cette fameuse biographie impossible de Benjamin, et ils enquêtent pour essayer de découvrir ce manuscrit disparu, et leur enquête alterne avec des fragments dont on devine qu'ils sont probablement le manuscrit disparu qu'ils ont fini par trouver, et par des fragments benjaminiens, c'est-à-dire des sortes de ready-made, des choses qui dont l'époque est difficile, des choses qui auraient pu être écrites dans les années 20, dans les années 30, par Benjamin, par des gens qui auraient connu Benjamin, et qui donnent une sorte d'éclairage kaléidoscopique sur l'œuvre de Benjamin, et qui me permettait de rentrer dedans sans y rentrer. Donc il y a une sorte de jeu littéraire comme ça.